Bien-aimé, je vais lire juste les deux versets et nous allons prier. Alléluia. Et même les bien-aimés qui sont là dans leur maison, que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble avec vous et nous prions pour confier ces mois entre les mains du Seigneur. Moi, je crois en la prière. Je crois que lorsque nous venons devant Dieu, nous venons aussi construire. Amen. Gloire à Jésus. Je vais lire dans Proverbes chapitre 18. Je prends les versets 20 et les versets 21. La Bible dit ce qui suit. Proverbes chapitre 18. J'ai la version français courant. La Bible dit ce qui suit. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Quelqu'un me comprend? Dans d'autres versions, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais dans ma version, on dit un homme, il peut assurer sa nourriture par ses paroles. C'est ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Est-ce que, frère, pouvez-vous nous projeter la version français courant? Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles, 21, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Quelqu'un me comprend? Je reprends. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, même quand on parle de combat spirituel, en réalité, c'est un combat de paroles. Les gens qui opèrent dans le monde des ténèbres, quand on parle des flèches de l'ennemi, en réalité, ce sont des paroles qu'ils prononcent dans leur monde et ces paroles viennent comme des flèches pour détruire les vies. Mais la Bible dit ici qu'un homme peut assurer sa nourriture. Et il peut gagner sa vie simplement à cause des paroles de la bouche. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, ce principe est vraiment appliqué dans le monde des ténèbres. Lorsque Balak voulait attaquer Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché d'abord un devin afin qu'il maudisse Israël. Il a appelé Balaam pour maudire Israël. Après, il va l'attaquer physiquement. Cela veut dire que, bien-aimé, lorsque vous gagnez le combat dans le domaine spirituel, vous allez aussi vaincre sur le plan physique. Alléluia. Il y a des gens qui veulent affronter la vie sans pourtant combattre d'abord dans le domaine spirituel. Je vais vous donner un secret. Tous les jours, quand vous réveillez, commencez à bénir votre journée. Alléluia. Bénissez-vous vous-même. Bénissez votre famille. Bénissez tout ce que vous faites, vos entreprises. Alléluia. Et ensuite, sortez. Alléluia. Vous allez vivre ces paroles. Parce que la Bible est claire. Il dit, quiconque aime parler, il doit être prêt à assumer les conséquences. Dans tout ce que nous prononçons, il y a des conséquences qui arrivent. Alléluia. Quand vous parlez en mal de vous, bien-aimé, qui va vous délivrer? Parce que la Bible nous montre que si les autres parlent contre nous, Dieu va nous délivrer. Alléluia. Parce que la Bible dit, quiconque te maudira, Dieu va les maudire. Et la Bible dit aussi que l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination. C'est-à-dire les enchanteurs, les divinateurs, quand ils parlent dans leur monde, ils adressent des mauvaises paroles contre nos vies. Mais la Bible dit que tout ça, ça ne peut rien contre nous. Si les hommes parlent contre vous, Dieu nous protège par sa parole. Alléluia. Mais si vous-même vous parlez en mal de vous, qui va vous protéger? Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il est temps de vous bénir vous-même. Et moi, je crois, la Bible dit que ce que nous déclarons sur la terre, le ciel les prend en considération. Nous allons déclarer des choses que nous voulons voir le mois de mars. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est prêt? Si au moins tu es enfant de Dieu, si Jésus est en toi, les paroles que tu prononces ont de l'autorité. La parole que tu prononces dans ta bouche a de l'autorité. Ces paroles ont le pouvoir de changer les choses, de changer ta vie. Alors nous allons prier. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit ici.
Je vais ajouter un verset dans Jérémie, chapitre 1er. Nous connaissons déjà ce passage, je crois. Jérémie, chapitre 1er, les versets 10. Voici ce que Dieu dit. Vous pouvez noter et lire ces paroles dans la maison. La Bible dit ce qui suit. Tu vois, aujourd'hui, j'ai été chargé d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Alléluia. Dieu dit dans les versets 9, dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il dit, afin que tu arraches, afin que tu détruises, afin que tu ruines, mais aussi pour reconstruire et planter. Amen. Bien-aimé, si tu veux planter, c'est toi. Si tu veux détruire ce que l'ennemi a prononcé, c'est toi. Mais la Bible te donne de l'autorité. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Ne crains pas parce que le diable a peur de tes paroles en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons commencer d'abord par acclamer Jésus, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu les forces des ténèbres. Jésus, le roi de gloire, Jésus, le Dieu tout-puissant, Jésus, celui qui a vaincu nos ennemis, celui qui a vaincu les forces des ténèbres, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Nous acclamons celui qui nous a investis de son pouvoir, de son autorité. Alléluia, Jésus, parce qu'il a vaincu, il est écrit sur la croix. Il a dépouillé les diables, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu l'esprit qui agit dans le monde, il a vaincu les esprits méchants qui opèrent dans nos familles, qui opèrent dans les quartiers, qui opèrent aussi dans ces pays. Il dit, allez, alléluia. Nous avons reçu le mandat auprès de Dieu. Et quiconque s'élèvera contre nous, il dit, il tombera sous notre pouvoir. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole qui donne la vie. Nous avons la parole qui restaure. Et cette parole s'appelle Jésus. Alléluia. Nous acclamons sa présence. Alléluia. La présence et merveilleuse de Jésus dans nos vies. La présence magnifique qui nous soutient, alléluia, qui nous relève, qui a fermé nos pas, qui a fermé nos vies, la présence qui nous donne la victoire, cette présence qui nous garde en bonne santé, il est là au milieu de nous, et c'est par son Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui vient assurer la présence de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit qui vient rassurer que Jésus est là. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Mais le consolateur, le paraclet, le défenseur de notre vie, notre assistant, le Saint-Esprit, il était venu et il est en nous, il vit en nous, il marche en nous, il se promène aussi avec nous. Lorsque nous dormons, il est là. Lorsque nous allons à gauche, il nous accompagne. Lorsque nous allons à droite, il est là aussi. Partout où nous partons, le Saint-Esprit, il ne nous laisse jamais. Alléluia. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Esprit de Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans nos familles, dans l'église. Glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Parce que là où tu es présent, il y a la liberté en ces lieux. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a la vie. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Par nos acclamations, prends place. Saint-Esprit. Alléluia. Prends encore place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Esprit de Jésus. Alléluia. Reprends encore. Alléluia. Les bâtons de commandement. Saint-Esprit. Alléluia. Sois les guides. Alléluia, sois le Seigneur, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, qui nous rend victorieux, Esprit de Jésus,
Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons celui que le monde n'a pas reçu. Alléluia. C'est ce qui fera la différence. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où personne n'a réussi de faire quelque chose, toi tu feras quelque chose. Là où les gens n'ont pas construit, toi tu vas construire. Là où les gens ont échoué, toi tu n'échoueras pas. À cause de la glorieuse présence de Jésus, sa majesté, par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons reçu ce que le monde n'a pas reçu. Le Saint-Esprit, il est écrit, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mois de mars, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit que tu acclames mettra en fuite tes ennemis. Alors qu'il s'élèvera, même lorsque tu seras en train de dormir, l'ennemi va s'élever. Le Saint-Esprit ne dort jamais. C'est lui qui chassera tes ennemis. Je le déclare au nom de Jésus. Tu dormiras en paix tous les jours. Tous les jours de ce mois de mars, tu seras en paix dans ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta maison pour brûler, pour consumer les esprits impurs, les esprits mauvais. Au nom de Jésus, qui t'empêche d'avoir un sommeil paisible. Je les ruine par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le règne de Dieu dans ta maison. Tout au long de ce mois de mars, je déclare le règne de Dieu dans ton travail. Je déclare le règne de Dieu dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre gouvernement prend place dans cette église. C'est le règne de Jésus. C'est le règne de Jésus. Je déclare le règne de Jésus dans cette église. Je déclare le règne de Jésus dans cette église. Tout au long de ce mois de mars, toutes les activités qui seront organisées ici en ces lieux seront contrôlées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Maintenant, tu vas ruiner. Maintenant, tu vas détruire les paroles prononcées dans le monde des ténèbres. Quiconque a parlé dans le monde des ténèbres pour maudire ta vie, pour t'empêcher de toucher ce que Dieu a prévu pour toi, ce mois de mars, tu vas contredire ces paroles. Tu vas détruire ces paroles. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Alléluia. Par l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné, je viens au nom de Jésus. Je viens révoquer les paroles mauvaises, les paroles méchantes prononcées dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre les gens de ma maison. Je condamne ces paroles au nom de Jésus-Christ. Je les rends nulles sans effet. Toutes les personnes qui ont parlé, les esprits mauvais qui se sont levés dans le monde des ténèbres pour lancer des paroles négatives contre ma vie, contre ma santé, au nom de Jésus, je les détruis, je les ruine, je les rends nulles sans effet. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu détruise ces paroles. Je déclare que le projet concis dans le monde des ténèbres contre ma vie, ces mois de mars sont annulés, sont anéantis. Je rends ces paroles nulles sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a prévu pour déséquilibrer mes entreprises, je les ruine, je les condamne, je les rends nulles sans effet. Au nom puissant de Jésus, les paroles de médiocrité, les paroles de pauvreté, les paroles de l'échec, je les brise au nom de Jésus. Je les neutralise au nom de Jésus. Je refuse ce que le monde des ténèbres a prévu contre ma vie. Parce qu'il est écrit, le Seigneur annule le projet des nations. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Le mois de mars, il y a la victoire. Oh, alléluia.
il y a la victoire de Jésus nous accompagnera. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Au nom de Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Le mois de mars, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Lève les mains. Alléluia. Lève les mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu est en train de sortir pour ruiner les paroles des hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est lui qui va parler les jours à venir contre ta vie. Ces paroles sont déjà condamnées au nom de Jésus-Christ. Ton ennemi va se rendre compte que tout ce qu'il a fabriqué dans le monde des ténèbres n'est pas arrivé. Parce que toi, tu vas vivre selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas maintenant prononcer des bonnes paroles. Tu vas déclarer les paroles de bénédiction. Tu vas bénir ton travail. Bénir ta maison. Parle en bien pour ta propre vie. Refuse l'échec. Refuse la maladie. Refuse les épidémies. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, je le déclare. Le mois de mars, c'est un mois de victoire. Le mois de mars, c'est un mois de grandes choses. Le mois de mars, c'est un mois de grandes réalisations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne qui voulait s'élever en ennemi contre moi, il tombe au nom de Jésus. Personne ne me résistera. Le mois de mars, aucune force des ténèbres ne me résistera à cause de Jésus, à cause de Jésus. Alléluia, je suis victorieux. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus, personne ne volera ce que je possède. Quiconque par erreur a volé ce qui m'appartient, je viens les récupérer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai la conviction que le mois de mars, c'est un mois meilleur. Le mois de mars, c'est un mois de grandes réalisations. Le mois de mars, c'est un mois de victoire. Le mois de mars, c'est un mois de victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. C'est moi. Je ne serai pas en bas. Je serai en haut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je serai en bonne santé. Je serai en bonne santé. Le mois de mars, je marcherai en bonne santé. Aucune maladie n'infectera ma vie. Aucune maladie ne me touchera. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas touché ni par coronavirus, ni par les épidémies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Toute âme forgée contre moi, et les nids, les sans effet, les ressuscités vie à moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme. Toute âme forgée contre moi. Proclame. Et les nids, les sans effet, les ressuscités vie à moi. Son nom. Son nom c'est Jésus. Toute arme. Toute arme forgée. Les armes que l'ennemi a dressées contre ta vie, les mille et cent effets. Au nom de Jésus. Car le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Hey! Son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre moi. Contre ma famille. Contre mes entreprises. Et les mille et cent effets. Parce que le ressuscité. Jésus est son nom.
Jésus. Son nom c'est Jésus. Toute arme fondée contre moi. Toute arme fondée contre le travail que je fais dans l'église. Au nom de Jésus. Car le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, je suis. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Tout au long de ce mois de mars, je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Fais-moi des marques. Je suis né de Dieu. Je parce que je suis né de Dieu. Je déclare que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Alléluia. Tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait triompher. Alléluia. Le Saint-Esprit élève quelqu'un au-dessus de ses ennemis. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit te remplit et il te place au-dessus de tes ennemis, au-dessus des réalités qui voulaient te condamner le mois de mars. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de monter. Le Saint-Esprit fait monter quelqu'un au-dessus des attaques, des problèmes, des difficultés, des maladies. Le Saint-Esprit, il te fait placer au-dessus de tes ennemis. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Le secret pour la victoire, le mois de mars, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le secret pour la victoire, le mois de mars, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, sois rempli du Saint-Esprit. Dès maintenant et dans la suite, sois rempli du Saint-Esprit. Tu deviens insaisissable au nom de Jésus. Lève les mains. Alléluia. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, je t'ai béni. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. À cause de ta présence dans ma vie, je tiens debout. Même si personne ne peut résister devant les forces de l'ennemi, moi je résisterai.
à cause de ta présence. Parce que tu es venu dans le monde pour détruire les œuvres des ténèbres. Comme tu es dans ma vie, comme je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, comme tu m'as donné ton esprit, je déclare que ta lumière est en moi. Partout où j'irai, les œuvres des ténèbres seront renversées. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare, parce que le Saint-Esprit est en moi. Je ne chouerai pas. Au nom de Jésus, je réussirai dans tout ce que je ferai. L'échec n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, je condamne tous les esprits de mort déployés dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre ma santé, contre mes études, contre mes entreprises. Au nom de Jésus, je déclare que ces forces échouent au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vie, l'esprit qui donne la vie à mon corps, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit est avec moi. Je déclare que le mois de mars, c'est un mois béni. Tout ce que je ferai réussira. Le mois de mars, c'est un mois de la moisson. Je vais moissonner, même là où je n'avais pas semé, au nom de Jésus. Parce qu'il est de la nature de mon Dieu de moissonner, même là où il n'a pas semé. Parce que Jésus est en moi. Je vais moissonner, même là où je n'ai pas semé. Je vais palper les résultats partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je serai trouvé fidèle. Par la grâce de Dieu, je serai trouvé intègre. Par la grâce de Dieu, je marcherai dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, une vie nouvelle se manifeste en moi, au nom de Jésus-Christ. Je ne craindrai rien. Je viens menacer les esprits mauvais. Je les déclare, parce que Jésus est en moi. Je suis plus que vainqueur. Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie, Jésus. Guide-moi, Jésus. Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi contre les vents de la séduction. Au nom de Jésus, éloigne de mon chemin les mauvaises personnes, les agents du diable qui viennent détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que les justes, les gens qui te craignent, qui te connaissent, les gens qui peuvent m'aider à évoluer dans ma vie chrétienne, viennent auprès de moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Garde silence. Laisse que l'amour de Dieu remplisse encore ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Laisse que l'amour de Jésus remplisse encore ta vie. Ton être, tu vas prospérer à cause de l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia, les revêtements de sa puissance, les revêtements de sa puissance, ça commence maintenant. Et le Saint-Esprit va t'accompagner, il va continuer à te remplir, alléluia, à te donner les paroles qu'il faut. Gloire, gloire au Saint-Esprit, alléluia. Maintenant tu vas prendre ton offrande, tiens ton offrande. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Merci pour ton peuple. Nous savons que tout ce que nous déclarons dans ta présence, Seigneur, tu les prends en considération.
nous verrons ces choses s'accomplir. Ce que nous venons de demander en ces lieux. Merci parce que tu as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, nous nous sommes approchés de toi ce soir et nous sommes rassurés, nous avons cette joie, cette conviction et nous savons que tu t'es approché aussi de nous ce soir. Merci pour tout ce que nous venons de recevoir de ta part parce que la Bible dit que tu payes tous ceux qui te cherchent. Je prie que mon frère, ma sœur qui est venu ici avec un problème ou une difficulté quelconque, qu'il y rentre déchargé au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans ta présence, tu te charges de nos problèmes, tu nous décharges de nos soucis et tu nous donnes les solutions. Je viens proclamer maintenant la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour tout celui qui était venu malade. Je viens proclamer, Seigneur, la liberté, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens aussi proclamer, déclarer que mon frère sort de ses liens avec la provision qui vient de toi. La provision de la guérison, la provision financière, la provision matérielle, la provision, Seigneur, dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus-Christ. Sois victorieux, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'accompagne et que ce mois de mars, tu sois un victorieux devant tes ennemis. Je déclare qu'aucune situation de la vie ne va arrêter ta course au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus marche avec toi, il renversera tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Contrôle tes ennemis, ce mois de mars. Contrôle les situations avec le Saint-Esprit. Sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je te couvre sous le sang de Jésus. Je déclare ni les sans-effets, les plans du monde des ténèbres, des gens qui cherchent à éliminer ta vie. Je viens déclarer par l'autorité que Dieu m'a donnée que tu ne vas pas mourir ce mois de mars au nom de Jésus-Christ. Ce sont tes ennemis qui partiront, ce sont tes adversaires qui seront enterrés. Toi, tu seras en bonne santé et tu glorifieras le Seigneur. Sois béni dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.